Princesse Peach, nous sommes enfin arrivés. Je vais aller chercher des billets. Je ne devais pas en avoir pour trop longtemps. Allez explorer le foyer en attendant. Je vous préviendrai quand j'aurai les billets. Ok, donc ça débarque comme ça. Bonjour à toutes. Ok, je m'attendais à un écran de chargement. Mais ma foi, il est pas grave. J'espère en tout cas... Enfin, d'écran titre. J'espère en tout cas, les amis, que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve pour le début de cette toute nouvelle aventure, les amis, sur le jeu Super Princess Peach Showtime. Enfin, Princess Peach Showtime, d'ailleurs. Oups, c'est pas le bon. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que vous êtes chauds pour le début de ce nouveau Let's Play, les amis. Je suis trop content, les amis, de démarrer. En plus, on retourne sur la Switch. Ça fait du bien. Je sais que c'est un jeu Peach. Donc, je sais pas, ça marchera peut-être un peu moins qu'un Mario, tout ça. Mais honnêtement, des trailers qu'on en a vus, ça a vraiment l'air super sympa. Donc, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Ok, on a des petits... On a pas mal de petites zones qu'on peut pas vraiment aller voir. Graphiquement, en tout cas, ça a l'air super beau. Ça a vraiment l'air super sympa. Et donc, on est dans un théâtre, le théâtre étincelle, je crois. Donc bon, j'espère que ça va vous plaire. Tous les théâtrins rêvent de jouer dans une pièce. Un jour, ce sera notre tour. Donc, oula. Pardon, excusez-moi. Ok. On peut pas aller en bas. Ok. Ok. La nouvelle pièce épée va bientôt commencer. Merci de patienter. Voilà, le théâtre étincelle. L'étincelliste de cette pièce est excellente. Une étincelle pareille, ça ne s'invente pas. Les étincelles sont nos stars, c'est eux qui insufflent la vie aux pièces. Ok. Princess Peach, j'ai les billets. Parfait, bon, on va aller voir notre ami Todd. Je sais pas combien de temps durera Let's Play, je sais pas si ce sera très long, je sais pas si on prend un temps pour toi, je sais pas. On s'amuse et on kiffe les gens. Voilà votre billet. Regardez tout ce monde. Les pièces doivent être remarquables. On dirait que notre pièce va bientôt commencer. Nous ferions mieux d'aller nous asseoir. Mais bien évidemment, il y a un problème, si ça n'aurait pas été rigolo. Graphiquement, Peach est vraiment super, super bien faite. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. J'ai une surprise pour vous. Je m'appelle Syria. Et avec ma troupe, le groupe maléfique. Non, la couronne! Super. Princess Peach Showtime, les amis. Ça démarre maintenant. J'espère en tout cas que vous êtes aussi chaud que moi. Bonjour. Donc on a plus notre couronne déjà. Hein? Tu veux savoir quel est le problème? Des types masqués très bizarres sont en train de mettre notre pièce sans dessus dessous. On ne pourra pas jouer tant qu'ils seront là. Oh là là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ça fait bizarre de voir Peach sans sa couronne. Pardon, tu es simplement venu voir des pièces, mais au final, tu assistes à une catastrophe. Il faut que je rétablisse la situation. Mais je crois que j'en suis incapable de le faire seul. Je ne veux pas te forcer la main, mais ton aide nous serait inestimable. Alors, qu'en dis-tu?
Oh, c'est vrai? Tu vas nous aider? Bah, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Merci, non, vraiment, j'insiste. C'est génial que tu acceptes. Je m'appelle Stella. Je suis une fée de l'étincelle. Et je veille sur ce théâtre. Et toi, tu t'appelles Peach? Très joli nom. Très joli prénom, pardon. Grâce au pouvoir de l'étincelle, nous allons reprendre le contrôle de la pièce et le spectacle pourra continuer. L'équipe masquée dont je t'ai parlé était dans la pièce de l'épéiste. Allons-y. C'est parti les amis! Pour, a priori, ce premier niveau, le château des ronds. Bien évidemment, un épisode par jour. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et on va kiffer, on va juste faire kiffer. Profitons-en, qu'on ait des jeux Switch, avant la fin de cette console. Voici l'histoire de l'épéiste. Et je sens encore que quelque chose cloche. Hein? Oh non! Quelqu'un est blessé! Ce sont ces types masqués qui ont fait ça? Ah oui, j'ai compris. J'y vais. Nous devons essayer d'utiliser le pouvoir de l'étincelle. Et voilà la particularité du jeu. On va se transformer. Ah non, on a juste le tueur qui se transforme. Et voilà, Peach. Tu peux utiliser l'étincelle à travers ce ruban. Ok. Voilà, utilise l'étincelle de ce théâtrin pour aider. Ok, ok, on peut réveiller tout le monde. Ok. Oh, je me sens mieux. C'est l'un des effets de l'étincelle. Elle peut faire du bien aux gens et des objets qu'elle touche. Ok. Avec ton aide, nous pourrons utiliser l'étincelle pour tout remettre en ordre. Ouah, c'est beau. Bien, on dirait que tout est revenu normal par ici. Cela dit, on ferait mieux de s'assurer que tout va bien au château. Ok. Ok, du coup, voilà. C'est pas de la 2D, c'est de la 6000 2D. Ok. Ok, donc là, on peut obtenir des pièces. Ok. Ok. On peut pas accéder aux portes, ok. Oh non, ok. Ok, donc là, à mon avis, il y a des trucs à faire. Ok. J'ai peur. Oula, attention des monstres. Les voilà. On dirait qu'il faut encore du grabuge. Ok, donc on peut attaquer. Ok, barrez-vous. Ça a vraiment pas l'air compliqué, de toute façon, comme gameplay. Mais de rien. Oh, on a fait pousser un arbre. Ok, on a qu'un simple saut, on n'a pas un double saut. On peut casser ça. Non. Mais oui, vraiment. Avec la fin de la... Avec la fin de la Twitch, honnêtement. Partir du principe que c'est... Ok, on a des cœurs en guise de PV. Partie du principe que c'est l'un de nos derniers jeux en fait. Ok, on a appuyé, regardez, on a appuyé sur les touches. Enfin, on a appuyé sur la croix directionnelle. Bon. De toute façon, voilà, la Switch arrive gentiment à la fin de son temps. Après, honnêtement, on s'en plaint, mais on a quand même eu des... Enfin, on s'en plaint. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, on commence à s'en plaindre parce que... Youpi, on peut continuer maintenant. Parce que c'est vrai que là, c'est vraiment morose, il n'y a vraiment pas grand-chose d'annoncer.
Mais honnêtement, on a eu vraiment des bons jeux. Mais c'est une gemme. Une gemme d'étincelle, la preuve de tes efforts remarquables. Les gens, ces gemmes contiennent une puissance étincelante. Récupère-en autant que possible. Ok. Et donc voilà pour le 100%. Je sais pas si on le fera à 100%, on verra. On peut voir le château d'ici. C'est bien qu'on se rapproche. J'adore le côté pièce de théâtre. C'est vraiment super sympa. Et je peux faire quelque chose là-dessus ou pas? Non. Oula! Je manque juste un peu de force. Ok, donc on peut carrément faire des interactions avec eux. Trop bien. Regardez là-haut. Ok. J'ai super, merci de ton aide. Mais de rien. Mais de rien. Par contre, moi, j'ai vu un truc. Ici. Voilà. Ok, on en a deux. Y'a quoi ici? La suite ou pas? Je sais pas, on va voir. Les arbres étaient fleuris avant, ok. Tiens mon ami. Tes arbres fleuris. Comme tu veux. Ok, donc en fait c'est une espèce de mini-quête. Ok. Super sympa. Ok, et donc ça donne quoi? Ça donne ça. Je sais pas ce que c'est. Ah non, j'ai rien dit. Peach m'a dansé toute seule en fait. C'est pas moi qui la faisais danser. Excusez-moi. Oh, trop bien. Trop bien. On peut jouer avec le décor. Ok. Et là, on peut faire pousser des buissons. Seulement, l'épée, c'était là. Ok, mais il va arriver. Ok, prenez de la force, les gars. Vous gérez. Ok, parfait. Ok. Toi, là, c'est pareil. N'aie pas peur. Parfait. Ok. C'est l'étincelle des pistes. Piche. Je crois qu'ensemble, on pourra l'utiliser. Et voilà. Ce qu'on avait vu dans les trailers. Bon. Voilà. Faut savoir qu'ils ont toutes teasé une par une les transformations de Peach. Et apparemment ça change complètement le gameplay. Donc ça j'ai hâte de tester. Et Peach est tellement stylé comme ça. Peach épéiste. Parfait les amis. Alors, ok, on peut attaquer comme ça. C'est tellement bien. Et on passe. Et on reste quand même, ok. C'est tellement bien. Ok. Par contre, ouais, voilà. Je peux plus faire le... Non, je peux plus faire le ruban. Tac, par contre, voilà, je peux aussi me débarrasser de ça. Ok. Ok, on continue.
Bonjour à vous. Wow, c'est esquivé ça. La petite esquive. Ok, suivant. C'était tellement classe. Qu'on dirait qu'en fait il y a un système d'esquive parfait en fait. Qui tout semble un peu cassé. Là y a rien. J'aime vraiment beaucoup les gens. Ok. Stylé. Dégage. Ok. Parfait. On continue alors. J'adore le côté de théâtre qui est totalement assumé en fait. Qui est pas juste un prétexte en fait. Le roi est en danger, dépêchons-nous. Là, on a de la vie. Oula! Tu n'iras pas plus loin. Éliminez-la. Aïe! Fin dégâts. Tu viens là, mon grand. T'as dit quoi comme... Oui. Oui, ok. Voilà. Ok, bon. Fallait juste faire une esquive parfaite en fait. Ok. Parfait. Ok, plus que deux. Tu vas vraiment me débarquer d'eux? Je dirais pas. Tac. Y'a rien là. Attention à lui. On va aller voir là. Ok, donc là, ok, on tient pas dessus. Ok, il nous manque plus qu'une seule partie. Enfin, une seule étoile. Ok. Bon, encore une fois, voilà, c'est du gameplay qui est pas trop compliqué. Voilà le roi. Le château est à nous maintenant. Non. Wow, je vais te montrer. Ok, alors. Non, en fait. Mince. Aïe. Ok.
Ok. C'est bon, on peut tabasser. Ok. Et vous voyez bien que ce soit un jeu avec Peach. Je trouve pas que ce soit un peu... Je trouve pas que ce soit trop cliché de la princesse. Princesse bonne à rien. Ok. Et c'est bon. Et on a toutes les... On a tous les fragments. Stylé. Ok, et qu'est-ce que c'est là, le ruban? Ruban pour robe obtenue. Ok. Ok. Je vais vite faire regarder un tout petit truc. On a réussi, ensemble, on peut utiliser le pouvoir d'étincelle. Cela dit, le théâtre n'est toujours pas redevenu à la normale. Le fil brillant est ce symbole. Et ce symbole dans le foyer. Si serait-il lié? Je suis sûr que les autres pièces auront aussi besoin de notre intervention. Allons voir si tu veux bien. Ok. Je voulais vite fait aller voir par contre ici, parce qu'a priori... Non, c'est... Ok. Ok, donc en fait c'est... Ok, c'est plein de petits niveaux. Donc en fait il y a plein de niveaux. On prend un petit peu de temps les amis. Ce seul théâtre. Ah oui, donc ok, donc tout ça ce sera de niveau en fait. Ok. Ok, ok. Parce que je vous propose les amis, c'est qu'on... C'est qu'on se fasse un autre niveau pour cet épisode. On va se faire un nouveau niveau pour cet épisode, allez. On va se faire ce niveau-là. N'existe-tu le parchemin de l'eau. Allez, c'est parti. Et je pense qu'on va se faire à peu près, voilà, comme ça, deux niveaux par épisode. Ok, on est parti. Peach time. Toute bonne histoire de ninja se doit de commencer dans un village. On dirait bien qu'on ne pourra pas aller par là. On va voir. On va aller voir. Notre village pris d'assaut. De Sakura. C'est trop beau. Ok, donc on peut pas se parler éventuellement. Personne ne passe. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par là, non? Ok. Ah, ok, j'ai compris.
Non mais je peux pas le suivre moi. Ok, faut attendre le bon moment. Ok. Ok, donc du coup on apparaît là, ok. Parfait. Mais alors comment est-ce que j'ouvre ça? Ok. Par contre, attendez. Ouais, voilà. Ok. Bon, on peut avancer. Quoique, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un truc là? Non. Des petites pièces. Ok, nouvelle transfo. La transfo. En ninja, je pense. Faut savoir que je me suis pas spoil toutes les transfos. J'en ai vu passer quelques-unes, mais pas toutes. Elle est stylée aussi, ninja. Peach ninja. Ok. Je trouve que les tenues sont tellement classe. Ok, donc à mon avis... on peut faire du wall jump, c'est ce que je pensais. Et là, waouh, attendez. J'espère que j'ai pas raté des choses, mais à mon avis j'ai raté masse de choses. Ok, donc toi on peut carrément t'attaquer comme ça quand tu nous vois pas. Dégage. Ninja. Après on verra pour le 100%, au pire c'est vraiment il nous manque des choses. Non mais attendez, comment je suis censé le buter moi? Comment je suis censé faire pour lui? Comme ça. Comme ça. Ok, je peux pas grimper plus haut sur le toit. Ok, vous êtes libre. Ok, on peut s'occuper de lui. Oula. On en parle du jeu qui me fait pop n'importe où. Ok, je peux faire ça. Et là, il me voit ou pas? Il me voit pas. Toi, tu dégages. J'aime bien, ça change totalement du... de la phase qu'on a eu avant. En mode épéiste. Ça a rien à voir. J'aime vraiment beaucoup. Quoi? Ah, regardez. Ok, merci. Toi, tu dégages. Ok. Ne baisse pas ta garde. Hey.
Attendez deux secondes. Donc, excusez-moi. Ok, alors vas-y, fais-moi voir. Tac, dual jump. Ah. Voilà. Je suis que 3. Je sais pas en fait s'il m'en manque. J'arrive pas à savoir. Pardon, où est la suite? Ah, par là, j'ai pas eu. Waouh! Ok, donc là c'est pas moi qui avance, ça avance tout seul. Ok. Toi tu dégages. Et en plus il est sauvé. Parfait. Plus qu'une. Trop bien. Ok. Dégage. Et on obtient la dernière. Ok, bon, on a encore les 100% sur ce niveau. J'ai peur qu'on l'ait pas. J'ai adoré ce niveau, vraiment. J'ai surkiffé ce niveau. Parfait. Je sais pas, je pense qu'il y aurait une espèce de boutique, je sais pas. Pareil, on sait pas encore à quoi servent les rubans pour Rob. Je ne sais pas. Mais ce niveau était plus court que le précédent. Quoique, en fait, je me dis, pour le précédent, on avait toute l'intro aussi. Donc, je sais pas. Parfait. On continue? Bon, allez, on continue. Vraiment pas de soucis, vous. C'est quoi? On va commencer à tout le premier étage. Au moins, on n'aura pas de questions à se poser. Ce bruit-là fait flipper à chaque fois, par contre. Ok. Ok, donc on est au Far West, on dirait. Sème le chaos dans la ville est en danger, il faut les arrêter. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Y a toujours rien de ce côté là, ok. Parfait. Salut. Tu t'es encouragé d'un coup. Mais tu l'es. Tu l'es sans doute. Bonjour. Sors de là. Mais tu me donnes rien. Pas cool. Ah, à moins qu'il y en ait dans les autres maisons. Il faut tous les récupérer pour avoir... Pour ouvrir la porte en fait, c'est obligatoire. Ok.
Et là, il y a encore une fleur. Et ça donne... Quoi ? Parfait, ça donne un éclat. Le premier, les amis. Mais non, vous manquez pas de force. C'est quoi ce bruit ? Ok, là-haut. Voilà, donne-moi une masse de pièces, s'il te plaît. Merci à toi, mon gars. Oula. Ok, c'est le bazar à l'intérieur, on va aller voir. Bah alors. Quoi ? Oula. Ok, il y a des méchants à l'intérieur. Ok. Ah mais on vous bute. Ça vous... Ça ne vous bute pas ça. Ok. Vous ne pourrez pas rentrer par là. Je sais pas, attends, je vais voir après. Je vais voir après. De toute façon, à mon avis, il faut passer par en haut. Vous êtes un petit peu fous, là, les gars. Ok. Salut. Ok. Merci de ton aide. Bah, de rien. De rien, de rien. Ok, donc on est juste à côté de là où on doit être. Tu ne vois rien, ok. Tac. Non, on n'a pas les méthodes de lumière. C'est celle-là. Pourquoi est-ce que celle-là, tu t'en fous? Voilà. Parce qu'elle est optionnelle. Parce qu'elle est optionnelle pour le ruban. Hé hé. Ok. Et on va voir la transformation. Transformation en quoi, du coup? Transformation en quoi? Transformation en cow-boy. Et encore une fois, elle, je trouve que ça a son charme. Je trouve que ça a son style, Peach Cowboy. Bon, maintenant, à voir comment on joue. Tu dégages. Ok. Ok, je peux prendre les tonneaux et leur balancer dessus. Ok. Ok. Sympathique. Alors quand je vois très différent des deux autres, ça c'est cool. Ok, tout ça, ça dégage. Ok, donc il se barre. Quoi, attendez, on va vraiment avoir un cheval ?
Oh, ça peut être trop bien. Oh, je sens que je vais kiffer. Oh, je sens que je vais kiffer. Ok. Ok, donc on y voit ce produit encore comme tout à l'heure. Ah oui, non, ok, faut que je gère, ok. J'aimerais bien recommencer. Voilà. J'aimerais bien qu'on recommence, j'avais pas compris. Ok, moins 10 pièces, ça va. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oula. Ça se dégage. Tu mènes ça. Que tu dégages. C'est bon, je te tiens. Ok, ici, il y a quoi? Ok, j'ai compris, c'est pas compliqué. Ok. Pardon. Hop. Aïe. Attention, ok. Ok, ça suffit, tu dégages. Parfait. Ah, il manque une. Il m'en manque une. Ok. Bon, on va continuer et on verra si on y retourne dans un éventuel 100% encore une fois. Pour le moment, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le jeu. Pas toi. Oh, un client. Ah, bah voilà. Des pièces, ok. Bon, tu devrais si jeter un œil. Oui, vas-y, fais-moi voir ce que tu vends. Waouh. Oh, celle-ci est sympa.
Mince. Bon, de toute façon, on va essayer de toutes les acheter. Oh, pardon. Par contre, on les met pas. Voilà, comme ça, il les a toutes. Et pour ce là. Ok, on peut changer sa couleur. Ok. On est d'accord qu'on dit harmonie en fait. J'ai un tilté ça, mais. Mince. Ok. Bon. On va continuer. On va se faire le dernier niveau. Cuisinier. C'est possible. Donc les pièces sont très importantes quand même à récupérer, mine de rien. Oh, ils ont organisé un festival du gâteau, les pâtisseries préparent. Ok. Donne-moi des pièces. Donnez-moi de la moula. Donnez-moi de la moula, gars. Chut, il n'y a pas de type masqué, le festival pour commencer. J'y prends moyen. C'est sûr. Rends les gâteaux. Vous en faites pas, tout va bien. Go! Allons sauver Papy Gâteau! Tu vas où, toi? Ok, toi, tu me donnes le ruban. Donc, le ruban, c'est fait. Ouais, j'ai juste vérifié qu'on rate rien. Ok. Ok, on va vers le verger. Bonjour, monsieur. Du maïs. Ok. Ça devrait suffire, ok. Et toi, il te faut quoi? Des fraises? Et moi, j'ai vu ça aussi. Ok. Y'a rien derrière? Y'a rien. Ok. Cette porte mène. Ok. Ok. Les amis, petite cuisinière. C'est peut-être un peu classique, mais encore une fois, j'aime bien. Mais par contre, oui.
Comparé aux autres, c'est vrai que c'est peut-être la plus classique. La cloche du festival a bientôt commencé. Qu'est-ce que je suis censé faire du coup? Je peux pas attaquer. Par ici, ok. Fais les biscuits avec nous, il faut faire... Ok. Pose les biscuits que tu as fini sur le chariot. Ok. Ok. Utilisons le chariot ensemble pour les emmener. Ok. Ok. Ok, j'ai compris. Faut pas trop qu'on spam en fait. Oh, c'est... Hey, c'est dur! Ok. Attends! Non, mince. Et on est arrivé à quoi? Ok, on n'a pas obtenu mieux. Il manque deux quand même. Ok. Le croquato sont cuits, mais pas ses tenues. On peut pas aller voir là. Oh, hey, je t'ai vu. Bonjour. Merci. Ok, on remonte. Ah non, on continue de descendre, ok. Non, c'est bon. Ok. Décore les gâteaux comme sur l'image. Je vois les commandes. Appuie sur B, ok. Ok, ça va, c'est pas trop trop compliqué. Beaucoup trop proche. J'en ai mis un tout petit peu en trop. Pas le meilleur qu'on ait fait, mais bon. Ok, l'étoile. Ah, ici.
Tac, et là on trace un cercle. Ok, les décorations sont terminées. Suivant. Je comprends pas ce que je suis censé faire. Il est dur. Ok. Ok, il y a juste celui-là qui est pas fait. C'est bon. Normalement, c'est bon. Pas le plus beau par contre. Celui-là était chaud. Et celui-là. Je peux même pas finir, hé. Wouah, c'est hard. J'en ai une sur deux, je crois. Ouais, voilà. Oh mon dieu, je pense que celui-là, pour le 100%, il va être complexe. Par ici. Parfait. J'obtiens la dernière. Et le festival commence. Oh non, là, celui-là va être chaud. Mais honnêtement, encore une fois, c'est fou à quel point ça change, c'est trop bien. Par contre, je crois qu'on a le ruban. On a le ruban. Repâtissière, ok. Parfait. Donc on a fini tous les premiers niveaux, enfin tous les niveaux du premier étage a priori. Eh bien, on fera ça la prochaine fois, les amis. Pour aujourd'hui, on va parler avec toi. J'espère que tu me fais penser à Harmonie. Les amis, j'espère en tout cas que ce premier épisode de notre aventure sur Princess Peach Showtime vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès que le prochain épisode sort. Prochain épisode où on s'attaquera, mine de rien, a priori au premier boss et on découvrira peut-être d'autres étages du théâtre. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne, la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous, c'était Para. Salut tout le monde, ciao ciao. Bye bye tout le monde, salut, bye.